Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo postée sur la chaîne. Il y a des gros projets qui sont en train de se mettre en place et j'ai très peu de temps accordé à la pêche et aux vidéos. Donc voilà, c'est pas évident ces derniers temps. Ça va revenir progressivement. Alors pour rien vous cacher, cet été et même en début d'hiver, tout ça, ça va être compliqué. Donc je pense que ça va vraiment revenir à la normale plutôt l'année prochaine. Donc cette année, la chaîne va être assez vide, mais c'est pour mieux revenir. Il y a vraiment des gros projets, des gros changements qui vont arriver. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça au fur et à mesure que ça va se passer. Donc pour le moment, voilà, j'ai très peu de temps, donc je fais quelques nuits éclairs comme ça, mais je prends pas forcément le temps de vous filmer les choses. Là, j'ai quand même pris le temps de filmer. Il y a quand même pas mal de demandes. Qu'est-ce qui se passe? On vous voit plus, etc. Donc, je voulais quand même faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc, après, tout va bien. Il y a juste beaucoup de boulot, très très peu de temps. Donc là, voilà, je fais une petite nuit, par exemple, ce soir. Là, il est 21h30, pas loin. Donc, j'ai décidé de venir sur le public. J'avais vraiment besoin de m'aérer. Donc hier, je savais que j'allais à la pêche, mais je ne savais pas où j'allais finir. Et puis voilà, me voilà là. Je suis sur une gravière du domaine public que j'ai pêché il y a pas mal de temps. Donc là, je suis venu avec mes 4 cannes, j'ai mon bed, j'ai pas de bivir hein, du tout. Je vais faire une nuit à la belle étoile, vraiment à l'arrache. J'ai 4 billes qui se battent en duel là-dedans. Je dois avoir un peu de scopex, un peu de krill épicé. Et puis j'ai un peu de frolic et un peu de maïs doux. Donc voilà, une pêche très très simple. Donc pour ça, on va pas parler beaucoup de pêche, je pense, mais c'est pas grave. Voilà, ça vous donne des nouvelles. Donc là, je me suis amorcé un petit coup sur ma bordure. Enfin, je l'ai bien amorcé au frolic et au maïs doux. Ça payait bien ici par le passé. Donc là, j'ai fait un gros amorçage au frolic et puis je pêche au frolic. Donc c'est vraiment sur ma bordure. Donc je vais relever et puis remettre un appât tous les 2 heures, 1h30, 2 heures pour pouvoir pêcher correctement. Et puis ensuite j'ai mis 2 cannes à la krill épicée et puis une canne à la scopex. Donc à chaque fois avec un petit stick de bille broyé. Il y en a une où j'ai mis un peu de frolic. Enfin voilà quoi. Rien de bien recherché. Bon après j'ai déjà fait un poisson, donc je vais vous faire voir ça après. J'ai déjà fait un petit poisson, donc voilà, la preuve que ça paye. Il y a peu de pêcheurs sur le plan d'eau. Il y a un pêcheur qui est installé complètement de l'autre côté du plan d'eau, sur le poste que je convoitais à la base. Et puis du coup, je me suis mis sur celui-là. Puis voilà, on va passer une petite nuit sympa. On va souffler, décompresser, parce qu'il y en a vraiment besoin. Ça n'arrête pas de sauter partout. C'est la folie. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de bouger. Les écureuils, ils n'arrêtent pas. Ils dansent. Impressionnant quoi, impressionnant, et il fait une chaleur étouffante. Donc voilà quoi, je vais vous faire voir tout ça et puis j'espérais faire un peu de poisson et puis quoi qu'il en soit je vais souffler. Allez ma foi, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, j'ai 3 cannes de placées et puis un petit poisson, une petite miroir de ça fait 2-3 kilos pas plus. Je l'ai pas pesé, je la pèserai pas. Petite miroir toute noire. Un joli petit poisson qui s'est bien débattu. Franchement, elle m'a fait un beau combat pour un petit poisson comme ça. J'ai encore des tapés sur une autre canne. Ça promet. Allez, je vais la remettre à l'eau. Joli poisson noir comme ça avec des belles écailles. Ça promet des beaux poissons dans le futur. Allez, je la remets à l'eau. Bon, troisième départ. Poisson un peu plus gros, enfin dans les 4 kilos, quoi, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Petite miroir, encore sur la même canne. Donc j'ai décroché il y a quoi, un quart d'heure, 20 minutes, sur la même canne. Je pense un petit poisson comme le premier, ça n'avait vraiment pas l'air gros. Et là c'est un petit peu plus gros, ça monte en poids. Donc c'est bien, encore à la bille krill épicée. C'est cool. Belle petite miroir qui avait la gouache.
Plaisir. Allez, je l'ai remis à l'eau. Bon, il va être minuit. Et puis, nous, au départ, il y a un tout petit poisson. Toute petite miroir. Donc, c'est pas la même que tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a eu un rempoisonnement en début d'année parce que les tout petits poissons comme ça. Ça arrête pas de biper de toute façon. Depuis tout à l'heure, ça fait que ça quoi. Je venais de recaler la canne quoi, il y a 10 minutes. Voilà. Allez, je vais remettre à l'eau. Bon bah cinquième départ. 1h du matin. Encore un tout petit poisson. Donc bon là c'est sûr ils ont rempoissonné le plan d'eau avec des tout petits fiches quoi. Et puis je viens de décrocher, elle était au tapis et j'ai décroché sur ma canne de bordure. Bon pareil, un tout petit poisson, ça se sentait. Bon allez, on va remettre ça à l'eau. Bon bah nouveau départ. Et puis cette fois-ci c'est une petite commune. Donc un peu plus grosse que les autres mais encore pas énorme. Je viens de me rejoindre. Il est 1h30. Pour l'instant, j'ai encore pas fermé l'œil. Ah, ils ont dû empoisonner la blinde. Hein. Ah, je fais un nombre de touches. Impressionnant, quoi. Bon. Allez, je t'en mets à l'eau. Bon voilà, je viens de replacer de bonne heure et puis bah aussi tout replacer, et, bah, ça redéroule. Encore une petite miroir. Poisson de 2-3 kilos. Ils ont vraiment dû mettre la blinde hein, parce que disons, il y en a à chier de la petite miroir comme ça. Ouais. Ils ont dû en déverser. Hein. Bon, 7h15. Nouveau départ, un poisson un tout petit peu plus gros, mais bon, c'est encore pas ça. Une petite commune. Toujours pareil, hein, c'est sur la bordure d'en face, là. Donc, bon. Voilà, plein de touches, mais plein de petits poissons. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je vais remettre la canne. Et puis, voilà. Ça n'aura pas été très reposant, hein. Allez, joli petit poisson. Petit mais joli. Bon, voilà, on se retrouve pour clôturer cette petite vidéo. Donc voilà, une petite pêche de nuit sympa. Il y a eu beaucoup de départs. Que des petits poissons, hein, des poissons de rempoissonnement. Je ne sais pas combien j'ai fait de départ, 7, 8, un truc comme ça. J'ai décroché 2-3 fois. Donc voilà. Pas mal d'activités, j'ai très peu dormi, du coup j'ai dormi un peu sur le matin. Et puis là il fait très très chaud, ils annoncent la plus chaude journée de la semaine et je pense qu'ils se sont vraiment pas trompés. Donc là je vais me rentrer à la maison, faire ce que j'ai à faire, j'ai une bonne heure de route, hein, donc voilà. Mais bon le but est atteint, je voulais vraiment me changer les idées et puis... Et puis voilà, soufflé, et ouais, ça m'a fait du bien. Donc c'est cool, le but est atteint. Et puis voilà, je vous donne en même temps quelques nouvelles, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc je vais vous poster prochainement une belle vidéo d'une semaine de pêche que j'ai fait en début d'année. Et puis après, pour le reste de l'activité de la chaîne, je sais pas trop ce que ça donnera. Peut-être que j'arriverai à faire quelques formats courts comme ça, je sais pas. On verra bien. Allez, ma foi, je vais reprendre la route, je vais faire la route jusqu'à la maison et puis après je vais aller bosser encore une fois. Allez, ma foi, je vous dis à bientôt.